en trouver. Deux mètres. 2 mètres, ouais, elle est là, par là. Ça va voir, le grand plastique, je sais pas si c'est ça. Voir. Bon, on va voir. C'est quoi là-bas? Je sais pas. C'est bon. C'est quoi le nid, ça? Je sais pas, je vais regarder parce que. Non, on va chercher. On va chercher pour rien. Quand je regarde, l'indice là c'est l'angle d'ancien mur. L'angle de l'ancien mur. Tu as un ancien mur par là et de là. Là il est là. Attends, il cherche. Dans l'angle de l'ancien mur. Ouais. Dans l'angle de l'ancien mur. Il est là-bas, l'ancien mur, non? Où? Ben oui, mais l'angle, ouais, mais le point GPS il est là. Ouais, mais bon, le point GPS, hein, il faut pas trop peut-être aussi. Dans l'angle, il y en a plusieurs angles. Hein. Ouais. Ah, ouais, il a raison, hein, Marc, c'est là-haut. C'est où le panorama, c'est là-bas? Allez-y. Tu l'as trouvé, Marc? Allez-y, si vous voulez faire une photo. C'est sûr qu'elle est là. Oui, quand tu vois l'état de cailloux comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Impeccable. Bingo, une de plus. Il y a pas un TB dedans? Où c'est que j'ai trouvé mon géo coin? Ah, je sais pas. De toute façon, tu t'en fous avec le code, tu sors gros, oublié. Avec le code, quand tu veux le taper, tu sauras la cache que c'est. Tu comprends? Quand tu taperas le code du géo coin. Je t'ai dit, tu le veux? Eh bien, mais quand tu taperas le code, tu sauras où il est. C'est pas loin là, c'était. Mais tu t'en fous, Marc? Oui. Le site caché des corbières. Je sais pas. Tu tapes le code, le site il te dira le géocoin est dans cette cache. Voilà, c'est tout simplement. Bon, allez, bingo.